Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais beaucoup parler de l'accord du degré 1 diminué qui est extrêmement utilisé en jazz manouche, qui est typique du son de Django Reinhardt. Et donc dans cette vidéo, je vais pas mal expliquer la logique qu'il y a derrière cet accord-là, comment il est utilisé, je vais vous montrer des phrases précises qu'utilisait Django Reinhardt, des issues de relevés que j'ai fait. Et on va commencer par un petit peu d'explication. Alors, en gros, il y a deux façons principales d'utiliser l'accord diminué en jazz manouche. La plus connue, celle que en général tous les guitaristes que j'ai rencontrés connaissent, c'est l'accord diminué qu'on va jouer pour faire entendre une cadence parfaite. Donc si on est en Do majeur, si on veut faire entendre une cadence parfaite, donc un Sol 7, puis un Do majeur, on peut très bien remplacer ce Sol 7 par un La bémol diminué ou plus couramment, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de penser au Si diminué. C'est donc la note qui est juste un demi-ton plus grave que le Do, donc l'accord de résolution. 5, 1, Sol, Do, on peut aussi faire Si diminué, Do majeur. Si diminué ou Ré diminué, puisque l'accord diminué est transposable par tierce mineure, ou La bémol diminué, ou encore Fa diminué. Tout ça, ça fait entendre en gros Sol 7 avec une bémol 9 et Do majeur. Ça, c'est la première utilisation principale de l'accord diminué que quasiment tout le monde connaît. La deuxième, qui est aussi très utilisée par Django Reinhardt et qui est moins utilisée, et c'est dommage parce qu'elle est magnifique, c'est de faire le degré 1 diminué et ensuite le degré 1. Donc si je suis en Do majeur, je vais faire Do diminué et Do majeur. Pour avoir une conduite des voix un petit peu plus optimisée, on peut faire ça. C'est un Do diminué, ça. Ou même carrément ça. Bon, le premier, c'était peut-être un peu mieux. Parce qu'on a la mélodie dans les aigus. Ok, donc, le degré 1 diminué qui arrive sur le degré 1. Cet accord de degré 1 diminué, il n'est pas uniquement utilisé pour résoudre sur le degré 1. Il peut résoudre sur le degré 2 ou bien sur le degré 5. En fait, c'est un accord un peu magique qui résout quasiment de partout. Je vais vous montrer des extraits de grilles où on trouve ces accords-là, donc les deux types d'accords diminués utilisés, pour illustrer mes propos. On trouve ça dans la grille de Duke and Dukie, par exemple. Do majeur. Ensuite, Do diminué. Qui va vers un degré 2. Qui est mineur 7 bémol 5, et ensuite on résout sur le degré 1. Il n'y a pas de 5, il n'y a pas de Sol 7 dans cette grille, donc c'est Do majeur, Do diminué, Ré mineur 7 bémol 5, Do majeur. Donc là c'est le Do diminué, le degré 1 diminué, qui résout vers le degré 2, et ça fonctionne très bien. On a aussi ça sur Ma belle, donc c'est Do majeur, Do diminué qui résout vers le degré 5 et qui lui retombe sur le degré 1. Donc l'accord 1 diminué qui va vers le degré 5. Ensuite une grille un petit peu plus connue, I can give you anything but love. On trouve dedans pas mal d'accords diminués, certains de passage, on a notamment ça. Ça c'est un Sol basse Si, le degré 1. Si bémol diminué, c'est le degré 1 diminué, hein, qui résout vers le degré 2 mineur 7. Voilà. On a d'ailleurs la même chose dans Coquette. Ré majeur, Ré diminué et Mi mineur 7 qui est joué comme ça dans Coquette et le La 7 comme ça. Et non pas un Ré dièse diminué comme on le trouve, comme quasiment tout le monde joue cette grille comme ça, alors qu'en fait dans l'original c'est un Ré diminué avec même un Fa joué par le bassiste. Donc on pourrait dire Fa diminué. Donc ça c'est le degré 1 diminué qui va vers le degré 2, mineur 7. On revient sur I can give you anything but love. À la fin de la grille, donc on est en Sol majeur, à la fin de la grille on a ça. Ça c'est extrêmement courant, on appelle ça une cadence Christophe, si je ne me trompe pas. Donc c'est le degré 4, le degré 4, dièse 4 diminué, qui est en fait le degré 1 diminué, qui résout vers le degré 1. Donc on pourrait dire que ça c'est Sol diminué, Sol majeur. On a ça aussi à la fin de China Boy,
Fa majeur, Fa diminué, et ensuite Fa, Do, Fa, une cadence parfaite. On pourrait faire La bémol diminué aussi. Donc à la fin de la grille, ça fait... Fa, Do, Fa. Ça, c'est important à savoir, puisqu'en fait, dans cette grille, il y a beaucoup de personnes qui font un 2-5 à la fin, alors qu'en fait, c'est pas un 2-5, enfin Django le joue pas comme ça, il joue Fa, Fa diminué, Fa. On l'a aussi dans Troublant Boléro, intercalé au milieu d'une cadence parfaite. Donc, c'est sur le B, La mineur 7, Ré 7, et là on a un Sol diminué, Sol majeur. Ensuite, on a un Sol dièse diminué, qui lui résout sur un La mineur 7, donc ça en fait, c'est une cadence parfaite cachée, c'est un accord diminué qui résout un demi-ton au-dessus. Donc c'est pas le degré 1 diminué. Et puis juste pour finir cette énumération, sachez qu'il y a une cadence qui ressemble énormément à cette cadence-là, l'utilisation du 1 diminué. C'est la cadence qu'on trouve dans Seul ce soir ou dans Them There Is. Alors, dans Seul ce soir, on a Do majeur et ensuite on a un 6-7. Do majeur, 6-7. Regardez, 6-7, on peut le jouer comme ça. 6-7, c'est quasiment un Do diminué. Donc c'est presque comme si on faisait Do majeur et Do diminué. Et d'ailleurs, lorsqu'on improvise sur un 6-7, on peut très bien jouer l'accord de Do diminué. Donc cette cadence, qui représente un accord 7, un demi-ton plus grave que l'accord de tonique, qu'on trouve aussi dans Them There Is, Ré majeur, Ré bémol 7, et on revient sur Ré majeur, c'est la même cadence, mais en Ré. Cette cadence-là, c'est quasiment comme la cadence du degré 1 diminué qui résout sur le degré 1. Donc ça, c'était pour les énumérations et les explications. Maintenant, on passe à la pratique. Donc on va improviser. J'ai préparé deux playbacks pour illustrer ça. Je vais improviser sur le premier, une impro assez simple qui contient uniquement Do majeur sur deux mesures, Do diminué sur deux mesures. C'est un playback qui est inspiré de la grille de Mabel. Avec une petite citation. Avant de faire une improvisation sur une autre cadence qu'on a vue qui ressemble beaucoup à cette cadence-là, j'aimerais juste vous montrer quelques phrases que Django utilise, qui utilise justement cet accord de degré 1 diminué et qui contribue beaucoup à son son. Et puis on va même voir des petites subtilités qu'il utilise dans ses phrases. Alors la première phrase, que j'ai citée dans mon improvisation, que j'ai utilisée, c'est une phrase, donc on va tout jouer en Do majeur, hein, comme ça c'est un peu plus simple. C'est une phrase qu'il utilise sur son solo du morceau Blue Light Blues. C'est donc un blues en Do. Lorsqu'il revient sur le degré 1, après avoir joué le degré 4, il joue pas tout de suite Do majeur, il joue Do diminué, ou 6-7 pour être plus précis, et il revient sur Do majeur, et ça fait ça, sa phrase. Et c'est au moment où il y a Do majeur qui est joué, donc en fait il pense Do diminué, Do majeur, ou 6-7, Do majeur. On a vu que c'était à peu près le même accord. Il utilise aussi sur Coquette, qui est donc au moment où il garde l'accord de Ré majeur, donc nous on va transposer ça en Do majeur, ça fait ça. Donc il utilise clairement l'accord diminué pendant longtemps, il pense Do majeur, Do diminué, et il revient sur Do majeur. Alors que l'accord de Do diminué n'est pas joué dans l'accompagnement. Une autre phrase qu'il utilise sur Mabel qui est un morceau en Do majeur qui contient cette fois-ci l'accord de Do diminué, donc là du coup quand il joue ça il peut se permettre de le jouer plus longtemps, c'est cohérent avec la grille. Donc là il utilise beaucoup l'accord de Do diminué. Et ce qu'il fait, ça a une sonorité vraiment particulière, c'est une sonorité qu'il utilise énormément, et c'est la petite astuce que je voulais vous donner. C'est cette note, en fait, qui n'est pas dans l'accord. Elle n'est pas dans l'accord de Do diminué. Ça, c'est Do diminué.
Donc ça, en fait, c'est la septième majeure de Do diminué. C'est-à-dire que sur cet accord de Do diminué, si on rajoute un Si, c'est une septième majeure, ça donne un son d'accord qu'on appelle diminué maj 7, en fait, hein, qu'on peut jouer comme ça, qui est magnifique, qui est très riche harmoniquement, et qu'il utilise tout le temps. Dans plein de situations. En fait, c'est même pas cet accord diminué maj 7 qu'il utilise, c'est ce voicing d'accord diminué maj 7, hein, cet empilement de notes qui est spécifique et qu'il utilise dans plein de morceaux de partout. Et donc, c'est ça. C'était la même chose ici. Si ce n'est qu'il ne jouait pas un Do au début, mais un Si. Hein. Lui, il faisait ça. Et une dernière, quand même, il utilise dans Django's Tiger. Il fait une phrase assez longue sur l'accord diminué. Donc c'est, on va le prendre en sol majeur, et donc on va voir ce qu'il fait sur l'accord de Do majeur. C'est au moment où ça passe sur le degré 4. Donc ça fait ça, sur l'accord du coup de Do majeur. Et après il continue sa phrase. Donc ce qui va nous intéresser, c'est surtout ça. Ça c'est une montée sur l'accord diminué, avec cette note de passage. Et il résout sur l'accord de Do majeur. Et si je joue tout à deux doigts, c'est pour utiliser les mêmes chemins que Django utilisait, mais évidemment, vous pouvez trouver... On a tous les doigts, donc profitons-en, quoi. Donc c'est pour des raisons, on va dire, pédagogiques que j'utilise les deux doigts. Et pour finir cette vidéo, je vais faire une improvisation un peu plus avancée, à peine plus avancée, sur la cadence de Them That Rise. Donc Ré majeur, Do dièse 7. Et nous, on va penser Ré diminué. On va jouer ça ici, donc c'est les mêmes positions mais décalées de deux cases. Hein. Ré majeur. Et Ré diminué. Ou Do dièse 7. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop chargée en informations, qu'elle vous a permis d'apprendre pas mal de choses, notamment concernant l'harmonie utilisée dans les morceaux de Django Reinhardt et l'harmonie qu'il aimait bien faire entendre dans ses improvisations. Il y a deux autres vidéos qui sont connexes, on pourrait dire, sur YouTube. Donc une dans laquelle je parle de l'improvisation sur une tonalité et sur une anatole particulièrement, et une autre qui est plus axée sur la pratique des arpèges diminués. Donc ça c'est gratuit, c'est disponible sur YouTube, et il y a aussi d'autres cours beaucoup plus complets et beaucoup plus longs qui sont disponibles sur mon site Guitare Improvisation.